On a été mené presque tout le match. On a eu du mal en première mi-temps. Et voilà, il fallait qu'on réagisse. Et je pense qu'on a été le chercher et on peut être content de nous ce soir. On peut se dire qu'il y a des soirs, c'est pas notre soir. voilà, il faut essayer de rester positive. Ça n'a pas été facile, c'est vrai que ça m'a pas mal affecté parce que j'ai pas montré un très bon match contre Montpellier, mais voilà, je suis restée confiante. J'en avais parlé un peu avec le coach et même avec l'équipe, donc on reste soudés en fait. Et même si c'était pas moi ce soir, ça aurait été une autre. Chris fait un gros match, Alex aussi, voilà, c'est vraiment une victoire d'équipe. Et c'est bien. Parce que voilà, comme Marine l'a dit, on a eu un match, un début de match compliqué, une première mi-temps où voilà, on joue pas notre basket, et je pense que même tout au long du match, on n'a pas fait notre meilleur match. Ça n'a pas été la plus belle rencontre à voir, mais au final, je pense que la victoire est là, c'est le plus important. Et comme Marine l'a dit, on a été la chercher ensemble, et voilà, c'est ça qui est important, et on a vraiment montré qui on était ce soir. Oui, je pense que de toute façon, ça sera ça tout au long de la saison, parce qu'on est une équipe où il n'y a pas de grande star, enfin une joueuse, il n'y a pas qu'une joueuse qui peut jouer, et voilà, on sait que si on veut gagner les matchs, ce sera tout ensemble, et c'est pas que ce qu'on a fait en première mi-temps. On a un peu donné la balle à Marine, on lui a dit joue, donc ça a été compliqué aussi pour elle un petit peu, donc voilà, il faut qu'on arrive à vraiment toutes jouer ensemble, et c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. On a gagné ensemble, et je pense que voilà, on a tout apporté à l'équipe. Je pense qu'on n'a pas douté, parce qu'on savait qu'on était en train de monter, que voilà, tout au long du match, je pense qu'on était derrière elle, et que jamais pendant le match elles se sont dit ça y est, c'est gagné, parce que même quand on est à 9 points, on arrive à revenir à chaque fois, donc voilà, c'est ça qui est bien, on a réussi à revenir à chaque fois. Et par contre, faut qu'on essaye de voilà essayer d'être devant et de pas les laisser prendre l'avantage trop longtemps, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je crois que on peut que les féliciter grandement, parce qu'elles sont allées se le chercher. C'était un match où on aurait pu douter, où il y avait de quoi baisser la tête, etc. Et elles ont vraiment été fantastiques dans le fait que justement elles se sont soudées, elles sont vraiment allées chercher cette victoire en équipe, et ça, je peux qu'être ravi de ce match. Pas dans les meilleures dispositions, mais que bon, on a réussi à rester dans le match en fait un peu tout le temps. Et le fer à l'élastique, c'est pas facile, surtout à domicile. Mais malgré tout, encore une fois, quoi, c'est que je crois que derrière, on est arrivé à aller rattraper toutes ces choses-là, et sur un coup de furie avec le soutien du Prado, essayer de voilà d'aller le chercher. C'est exactement ce qui s'est passé, et je crois que ce soir on le doit à nous de ne pas avoir lâché, et on le doit aussi voilà au public de nous avoir poussé, soutenu et poussé, et ça nous a permis effectivement d'oublier cette maladresse de première mi-temps qui on prenait ça c'était un peu dur à gérer, à encaisser, et puis on est arrivé malgré tout à remonter, on gagne le match, je crois, sur 2 tirs à 3, donc c'est ça qui est bien. Il faut qu'on continue, on sait que la saison est longue, qu'il y aura des moments super où ça sera génial, des moments qui sont plus durs, et même dans les moments plus durs, il faut qu'on soit capable d'aller les gagner. Et voilà, on peut que féliciter l'équipe pour l'avoir fait ce soir.